Bonjour, t'appelles ça un atelier toi? Alors moi j'appelle ça un garage en bordel. Donc aujourd'hui, on va faire une première étape pour le transformer gentiment en atelier, on va faire des rangements. Mes outils, je les pose un petit peu partout, j'arrive pas à m'organiser, j'ai quelques petites étagères que j'ai fait au moment où j'ai récupéré le garage. Aujourd'hui, on va faire une structure sur roulette parce que je veux que ça soit mobile, parce que des fois j'aime bien travailler au fond, des fois j'aime bien travailler au soleil. Je veux que ça soit mobile, je veux une structure French clit avec tiroir, le truc assez imposant, assez solide, où dedans je pourrais mettre presque tous mes outils et avec deux façades de French clit pour pouvoir tout organiser. Voilà, c'est parti! Comme la structure que je vais faire va être reposée sur roulette, j'ai vraiment envie de quelque chose de solide et de lourd à la base. Donc j'ai récupéré voilà 4 gros poteaux comme ça, donc c'est du 7x7 et on va utiliser ça pour faire toute la structure porteuse. On va commencer par découper dans ces 4 poteaux deux sections, deux poteaux d'1m20 et deux poteaux d'1m. Hop, donc je coupe à 1m30, je prévois une surcote parce qu'en fait on va leur mettre un petit coup de neuf, on va les raboter, comme on a une raboteuse toute neuve. Donc là j'ai deux sections d'1m30. Deux sections d'1m. Dix. Je les découpe grossièrement parce que après elles vont être rabotées donc et redécoupées à dimension avec la scie à onglet. Donc là c'est une coupe rapide. Maintenant, un petit coup à la raboteuse. Voilà, donc j'ai préparé les 4 morceaux de la base de la structure. Je vous montre un petit peu comment je les assemble. Bon, voilà comment ça se présente. J'ai les deux poteaux latéraux sur lesquels va se fixer les 4 roulettes, donc au chaque coin, sur lesquels je vais fixer à mi-bois les deux traverses, ici. Et sur ces deux traverses, je vais fixer les deux montants pour la structure et les deux panneaux OSB pour faire mes petits murs de French clit mobile. Voilà. Et au milieu de tout ça, il y aura des grands tiroirs. Donc on va faire les 4 assemblages à mi-bois, ici, ici, là et là. Voilà, c'est parti.
Les quatre assemblages sont faits, maintenant on va fixer tout ça, et pour les fixer je vais utiliser des gros boulons comme ça avec une rondelle. Voilà, comme ça je suis sûr que ça bougera pas. C'est parti. La structure est finie, elle a passé le crash test, elle est suffisamment solide. Maintenant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, le pouce bleu, et puis surtout abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup et puis ça vous coûte rien. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure avec la création du caisson, des tiroirs et de tous les éléments French Clit. À bientôt.